acteurs qui tombent dans la sculpture, c'est-à-dire un hasard et aussi nous qu'à dire et la souffrance, la misère. Et quand nous partions à travail, et quand vous gagnez un petit bout de travail à gauche à droite, comme Manuel Masson, et à l'époque-là, Manuel Masson qui gagnait 2,50 à 3 roupies. Et moi, j'ai avec tellement longtemps de travail, je suis un petit peu endetté. Et là, comment pour faire pour capable sortir dans sa difficulté-là? Et tu penses un peu mauvais, hein, pour être franc, tu penses un peu mauvais. Désespéré, me dire beaucoup suicide. Si un pied manque, tu es un peu à côté de la maison, tu es un peu dans le coin. Et là, me dire, bon, je me redonne la côte, me dire, là, je vais mettre un pendu. Et finalement, ça branche qui me trouve mettre pendu là, et quand je frappe la côte qui me trouve mettre pendu, je me l'envoie à l'île au En même temps, tu claires les lignes parce que tu es la veille Noël. Et ça aussi, tu fais encouragement pour suicider, qui fait. Parce que dire, pendant trois premières années, mon bon enfant, je n'ai pas gagné aucun joujou, aucun jouet dans les. Et là, on dit, bon, il n'a plus où aller. Et finalement, le sabron, c'est quand observons ça, moi, tout, la branche, il fait comme une boule. Une boule qu'on dirait qui ressemblait à la tête. Et puis devant, il y a des petites branches qui sont au-dessus, qu'on dirait des lames. Et un petit peu plus devant, on dirait des liquides. Et là, bon, il y a des sens un peu, donc tout ça prend ça, tellement il fait réfléchir, tellement qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui va naturel. Hein. Alors là, mon patin a des outils, au gauche, à droite, mon récit d'un tournabis. Et qui est sur la branche qui est pourri. Et comme tout le monde là comme maillé, alors là, je prends une rose et je la mets, je tape un café, je tiens un feuillage, je nettoie et je tiens un peu sur la corde. Et finalement, il y a un petit poupée, un petit jouet qui au moins, on a le plaisir de donner aux enfants d'un moment de désespoir. Dans une semaine, l'espace une semaine, il y a 7000 roupies. C'est-à-dire, le premier lot à l'époque, c'est 5000 roupies, pour 7000 roupies. Et sans quoi là, besoin pas quitter la sculpture du tout. Et voilà, je vais faire poupée mon corps pendant au moins 8 ans, tout vendre. Et quand je vais vendre mon poupée, je suis à la place, comme un morceau ambulant, je fabriquer, je vais aller me prendre une femme, je vais aller me mettre dans ça. Et je vais aller poser vite, les temps retourner tout le temps, poser plein. Et depuis ça, la sculpture, il ressort moi, il connaît la drogue qui commence pas à le cabaret du tout. Et là, quand on dit qu'on a 65 ans, donc on fait pays avec une certaine fierté. Et surtout, ce qui la sculpture de moi, on dit qu'on va nous voir. Ça y est. Il y a des garçons, des jeunes garçons. Et un jour, on est toujours sorti. Après, il y a tant, 17 ans, toujours retourné avec ce cahier de dessin. Quand je cahier de dessin, vous me regardez, vous me tout ce que je fais vraiment lié à la hauteur d'un artiste macho, me dire. Des enfants font une exposition, bon, nous donnons notre village hall pour faire lire, et si jamais je gagne 300 du monde pendant 5 jours, nous faisons ça. Et là, nous donnons un cadeau dédié par la réunion. Le premier jour même, nous gagnons 3000 visiteurs. Et parmi les visiteurs, là, tu as un étranger, un Suisse, qui est de passage à l'île Maurice, il trouve une réunion du monde, il a envie de connaître là. Et quand il vient, il rentre dans l'exposition là. Il trouve une sculpture qui me fait, et il est émerveillé. Il invite 4 vins en Suisse, et dans le grand symposium international de sculpture. Et je fais une pièce qui s'appelle l'enfant adoptif. Tu supposes qu'il n'y a plus du monde. Parce qu'à l'époque là, tu n'as plus la gazette qui peut causer le père de prix, les enfants africains, les enfants d'Asie, et les autres places dans l'Europe, tandis que les Européens qui sont en train de passer une zone perdue. Et moi, tu fais une pièce qui appelle les enfants de type des Suisses, des étrangers, des blancs, inadoptés, les enfants noirs. Et les enfants noirs là, ils sont sur la scène, ils sont chiens devant lui. Et des personnes un peu âgées qui peuvent pas avoir des enfants normal bien sûr. Et ça finit tous le public et va même le vote en masse et mon gagne le prix du public là-bas. Bon, après la Suisse, il y en a beaucoup d'invitations, et même Hawaï.
Et comme on est là-bas, et moi, je suis pas là-bas comme un petit artiste qui met pas derrière. Et finalement, je me demande place comme un star qui veut venir là-bas. Et moi-même faire conférence, moi-même, je fais un tour de ça. Un spectacle que moi-même, je peux faire et tout. Je suis assenté, danser, monter une pole club. Mais ben, on a bien apprécié. Et aussi l'Australie, l'Alinale, je regarde le tout continent. Et mon fier, on dit à peu près 45 pays qui m'ont visité. Alors 45, si je veux dire, et c'est qu'il y a une fois. Ça là qui nous fait là. Il y a là, nous appelons ça là Mauricien. Il y a sa place dans le monde. Parce qu'il peine là copier. Il peine là qui, par exemple, si je fais une étude de haut, l'état revenu, je pense que là-bas, on l'amène dans mon pays. Il faut bon pour mon pays. Mais seulement l'état où ben vous êtes sorti avec ouais voilà les hauts et il faut des ce qui vous est dans le prix, ce qui vous est dans l'été, ou souffrance ou la peine et sur tout ce qui est important dans la sculpture qui moi vous faire c'est il y a une histoire pour les gens. La sculpture c'est pas juste un petit bonhomme un petit bonne femme comment dire, il y a une histoire et dans chaque sculpture il y a une grande histoire. Mon team déjà commence à décider pour faire l'école. Mais comme on est la Suisse en 2001, et là-bas avec mon bonne pièce qui m'a arraché le dire, et mon gagne somme l'argent, et mon capable, là, commence de décider pour faire l'atelier. Mais comment tu peux raconter là, un zéro, tu fais aller haut, et t'en retourner un héros. Mais mes parents, tout, qui ont des enfants, t'es rejected dans mon école. J'ai mis des enfants là, ici, écoute-moi, allons prendre Michel Lewis. Et finalement, et là en 2001, je suis allé en France, c'est-à-dire en Suisse. Et quand on est retourné, moi, Julien, je commence à lancer l'école là dans le village hall. Et il prend une brassée, lui, j'ai dit juillet, août, on est venu ici. Et quand on est venu ici, longtemps, on utilise un slow sans enfant au cadien pour gagner l'espace. Mais après, quand c'est une seule, on a trouvé qui. Et les bandes enfants qui ont la majorité, c'est qu'ils nous finissent à l'époque là, ils ont dit professeurs. Et je peux enseigner ça même. Et quand ça peut passer, donc comme on nous dit ça plusieurs fois, c'est là que les enfants sont sortis dans les autres endroits, loin, dans l'ouest, l'est, et le nord, partout dans tout point Maurice, qui ont envie de faire sculpture. Parce que bien souvent, tu amènes les autres en déo, avec Saint Nelson Mandela, avec le ministère de la Culture même, à faire une démonstration publique. Et tous les enfants, tous les enfants, c'est-à-dire les enfants ont accès à l'or. Et tous les enfants, mais dans Maurice, beaucoup, majorité de mes enfants, ils commencent quoi là-dedans. Et ils peuvent venir avec moi pour faire la sculpture. Comme cours maintenant, moi, dans beaucoup d'écoles, mais mon cas, c'est des qui m'ont apprécié, de l'école qui peut faire bien, et qui peut vivre, et qui peut servir de petits moyens, qui peut avancer. Et l'école a nous grandi, et l'école trouve à mon loisir, il y a du renfort. Et là-bas, c'est pas un enfant autiste qui est très doué à la sculpture et sur des plans qui sont des effets extraordinaires. Et puis l'école Père Chousson à Pointe-Sable, c'est Oasis d'Épée, qui fait faire extra bon travail et pour mes enfants du pays. C'est la musique là, qui est seule.